plupart du temps, plus j'arrive à la maison, depuis le matin, je n'ai rien mangé parce que déjà j'ai pas faim. Voilà. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. D'abord, dans nos salles, place le téléphone en bien. Voilà. Nabel, ça va arriver là-bas dans ça, là-bas. Comment on appelle? Bah, story time, thé, bah, vlog sur journée Nanga. Aujourd'hui, je suis à Beauvais pour une petite formation. Et voilà, c'est pas facile. Je trouve que c'est chiant pour moi. Mais j'ai pas de choix. Il faut naïa Kara parce que c'est obligatoire. Et voilà. Là, je suis en pause. Sur la côte, nous aurons moi, image qu'il y a mon petit caca. Pendant la Tsabino. Voilà. Aujourd'hui, Naza na bouffé. Et ma Lilisa, il fait froid ici à Beauvais. Il fait très froid. En plus, quand tu as salué au place de Zawana, ils ont ma sous-sol. Il fait encore très froid là-bas. Il n'y a pas de chauffage, rien du tout. Et c'est chiant encore davantage. D'accord, la grande famille. Et puis, Nazoye Batenga Okuka sous classe. Parce que ma tête là, ça va pas. Tout le temps, je fais que somnoler. J'ai envie de dormir. J'ai envie Nazanambetu. Mais j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Je dois être là et tout. Donc voilà. C'est grave, pas facile, mais j'ai pas de choix là, la grande famille. Vous voyez? Je suis tellement fatiguée, j'ai pas bien dormi. La libyenté et tout, moi na bonaboué après, voilà. On a mis 5 heures. J'ai pas pu prendre Kobi Manara et temps parce que. J'étais déjà pressée, j'avais raté mon bus et tout. Ouais, allez-y. Bonjour. C'est pas grave. J'ai pas pu prendre. Je suis sortie tard. J'ai pas pu prendre mon bus. J'ai raté mon bus. Je suis allée à pied jusqu'à la gare. Déjà. Et voilà. La gare, c'est pas loin de chez moi. Hein. C'est pas si loin de chez moi, mais c'est quand même chiant parce que. Tant on a un bus pour nous y a la ville Moussous parce que formation dans ça là ils ont la ville Moussous. Tant on a yako et c'était vite au fait, c'était vite sur le fait que autant Bolamba bon autant la bus déjà et qu'il des heures boyer il faut qu'il des boyer faut ça la boyer c'est chiant voilà. Donc là je rentre bientôt. Je rentre bientôt dans la Tchassal. Je vais prendre. Les gens sont déjà repartis. Je vais prendre quelques images hein, quand je serai là-bas, à l'intérieur. Et après, hein, voilà. Quand j'aurai la pause, je vais faire aussi une vidéo quand je serai en pause. Mais là, je suis encore. Je n'ai pas envie de retourner là-bas, mais je n'ai pas le choix. J'ai grave pas envie de retourner dans la salle parce que je me sens très fatiguée, mais j'ai pas de choix, je vais y retourner. Voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ça, obligatoire. Et si vous remarquez, là, j'ai l'air très fatiguée. Pas que les logos de Nelongi. La tchèque à rouge à lèvres, car pour nous remonter, car moi, il m'a trop longue à pongité. Mais je suis trop fatiguée. J'ai pas bien dormi. L'enfant me dort. Mon fils l'a dérangé toute la nuit. Et du coup, je me suis endormie à 2h du matin pour me réveiller à 5h du matin. Parce que mon bus, il était à 6h25. Voilà. Je me suis réveillée à 5h, le temps de m'apprêter et tout, pour sortir, aller prendre le bus R et les Kaki déjà. Et du coup, vu que je suis pas loin de la gare. Et voilà,
je fais le pied na kimbambangu pote zambo kambangu na pakati mbangu la biminda kou. Il était déjà 6h juste, j'ai quitté, j'ai sorti de chez moi à 6h juste et j'ai quitté de chez moi, je suis sortie de chez moi à 6h juste et après après je suis à na kimimba ngutina ko managa mais bus nanga banda bus nanga ya viondo ke ville tout ce banda ke et banda ke longwa 6h25 et voilà c'est un peu ça ma matinée. J'ai pas pu prendre des images et tout parce que déjà fena ki mamba ou docteur aux invités ils ont quitté. Tout à l'heure, ensuite je vais prendre dans le cas moi c'est quand ce moment peut-être il y a une minute hein. À tout à l'heure. Oh là là, na komo konda, pantalé zo kitanga e kitoko. Jesus. Jesus, you love me too much, too much. Pantalon e komi ko kitwangwa. Pantalon e komi ko kitwa na komi ko kutwa. Rita. Non mais là, complément alimentaire de chez Rue de Beauté pour perdre du poids. Et parce que non, on a du temps, il y a aucune des salles, il y a aucune salle de sporter. Et du coup, là on sait là, bah, complément alimentaire. Quand j'aurai le temps et tout, voilà, je demande aucune salle de sport et tout, pour nos salles, pour nous raffermir vraiment d'autres. Mais pour le moment, je prends des compléments alimentaires pour maigrir un peu. Voilà. Pour perdre un peu du poids, je suis sans gain, sans élogue, sans midi. Bon, à tout à l'heure. Je suis en retard. Voilà, c'est l'heure de la pause. Il est 12h. C'est la pause. Et du coup, j'ai pas trop envie de manger quoi que ce soit parce que avant de sortir le matin, j'avais pris mon réducteur d'appétit. Avec un bon aurait de beauté. Je sais plus comment on l'appelle. Modérateur d'appétit. Voilà.
et du coup j'ai pas faim. Voilà ce que ça donne avec les produits minceurs de chez Rue de Beauté. Voilà. Pas trop de ventre, ça va partir avec ça partira avec les temps. J'ai pas mis gain la famille. Na okonda mukie mukie pole pole kidoko kidoko malembe malembe. Je suis en train de perdre du poids. Voilà. Le ventre est en train de partir à petit feu. Voilà. Et ça donne ça. Avec les produits minceurs de chez Rue de ta beauté. Maman moukaj, moukaj, moulouba. Voilà. Qui est la grande famille, ça me fait plaisir de ouf. Donc, là c'est la pause. En tout cas, je suis là. J'ai envie de poser mon portable quelque part et puis parler librement. Voilà. C'est possible. Voilà. C'est pas bien ici. J'ai envie de poser un endroit où je serai. Voilà. Là, c'est bon. On a eu le look classique. Voilà. Là, je suis en pause, la grande famille. Je suis en pause. Et du coup, Nazo. Mikolo a en pause à Nyon. Je ne sais pas pourquoi je suis en pause. Nazo, je suis en ou de coco. Nasali pause. Moi, je fais tout le temps des pauses, hein, même dans la peau et tout. Nasa la pause tout le temps parce que. Il faut ça la pause assez souvent. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein? Voilà ce que ça donne avec nos produits de chez Rue de Beauté. Nzomba le poso. Akoni pe nzamba ba régime. Rita yo bongo. Mali les a à la grande famille. Na bisabino. Malili. Tant que je suis là. De la zawa. Je. Aïe. De la Zawa. Tu me rendais pas compte, hein, au Konda Langa. Je me rendais pas compte, hein, au Konda Langa. Mais les lots, à la tiangue. Et ça me va aussi. Et j'ai perdu du poids. Hé hé, piolo piolo. La kyon sa ka kya kya. Il y a un kondi dans la fête. Dans les sengos et sengote. Et sengoe. De la kondi boe. Dans les sengos, ma casse la grande famille. On a fait la fête. Et ça par rapport quand il y a un plat du temps, moi na paix et tout, bon na bon mess. Sto et daki na bon côté, j'allais faire du sport pour na okit sa li. Parce que pou nanga biso bato li bou nanga ezalaki mon nanga kangi li bonté. Li bat bakanga, nanga kangi li bonté. Na tika lo kanga li bonté. Mais, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu
Je suis stressée comme pas possible. Non, ma chérie. Moi, je suis une zambe à l'opposé. Je suis une zambe de taille aussi. Je m'arrête pas seulement les zambes de l'opposé. Je deviens aussi une zambe de taille. Rita, il y a ici. Produit minceur. Je suis un peu plus de modérateur d'appétit. Avant de déjeuner, une demi-heure. Nameli deux comprimés, deux gélules nanga, il y a modérateur d'appétit. Après son lignée déjeuner, comme pas possible, nara au coup fait attention. Nabanda que stressé comme pas possible, libumna, mounen, Rita et Bissinga, non ma chérie. Moi je suis une zambe à l'opposé, je suis une zambe de taille aussi. Je m'arrête pas seulement les zambes de l'opposé. Je deviens aussi une zambe de taille. Rita et Opesanga, ici. Produit minceur. Nameli modérateur d'appétit. Avant de déjeuner, une demi-heure. Nameli deux comprimés, deux gélules nanga, il y a modérateur d'appétit. Après son lignée déjeuner, pendant que je suis en train de déjeuner, je suis en train de prendre mon petit déj. Nazupé, brûleur de graisse, deux gélules. Et puis, ce qui est sous, na lia. Na midi, dîner, tonini. Na meli soussou, deux gélules. Mais après 20 heures, na lia ke souté. Donc, kon lia langa, sou la lia et soukara, 18 heures, 19 heures. 20 heures, rarement na lia 20 heures. Na lia ke souté na 20 heures. La grande famille. Na lia ke souté na 20 heures, ni nazar. Na lia kate. À 20 heures, je ne mange pas. Après 20 heures, je ne mange pas. Le matin, quand je me réveille, je prends les deux gélules. Mes deux gélules, je prends avec un grand verre d'eau. Faut me l'on a ma épée pour et qui tapena et trop tapena tinati et qui tapena tin estomac. Voilà, c'est comme ça que je fais chaque jour. Et là, on est en pause. Je finis. Là aussi, ça dans cette formation là, c'est à 15 heures. Voilà, c'est à 15 heures. Voilà. Oza, c'est la deuxième semaine. Dans cette formation, là, 15 heures. Et voilà. Voilà. Donc, la télé, c'est un bilo pour nous. La chape non, moi, lunette. La benda non, moi, beauté. La benda, pas beauté, on sait jamais. Benda moi beauté, on ne sait jamais. Ma benda ka beauté, bon beauté la grande. Ma benda ka beauté, on ne sait jamais. Pantalon pendezo kitamako. Seigneur, je suis choquée. Je suis choquée la grande famille. Nazo kuna ka bolo bilo. La ranzo kande kouboué et à la kakitsoko, c'est fantastique. Hein? Ma couronne d'aura kaka, on ne sait jamais. Ma couronne d'aura kaka, on ne sait jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, Seigneur. Je suis choquée. Hey, ah, moi, ils appellent quand il y a mon bébé. N'est-ce pas le téléphone? Ah, oh, non, où tu es?
téléphone à Libonda. Tout à la Libonda. Non, 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 téléphone. Ah, ah, ici c'est pas bien. Natcha a été. Ah, ouah. Voilà. Non, ça va faire mal aux yeux, la grande famille. Ah, aujourd'hui, au moins, il fait beau. Oh, il faisait tellement froid. La vache. Il fait tellement froid là en bas. Oh, c'est Omituna. Omituna, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais être là. Voilà. Tu vas te poser une question, Omituna. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 j'ai mal. J'ai pas envie de manger quoi que ce soit et tout parce que déjà j'ai pas faim, donc là comme ce qu'on a l'habitude, je mange, enfin c'est pas une seule fois, je mange la majorité de fois, la commission c'est rare au moins, je n'ai déjeuné, et puis c'est rare au moins la déjeuner. Après, on a lié. C'est rare au moins on a déjeuné et puis on a lié. Ah, ensuite, non. Et comment vraiment rare. Na coma, au moins on a déjeuné, vous voyez, j'ai plus faim. Après, on a personne dans la poste au conda, ma conda. Et on a vraiment son habit à conda. La salle a des forts, puis on a conda ma case. La salle a vraiment d'efforts, j'ai fourni grave d'efforts pour nos condas. Ah non, je vais aller là-bas, la zu place. La zu place. La moni place, mon kuna. Enfin, mais je sais pas si c'est quoi après. Après, je sais pas si c'est quoi. Voilà la grande famille. Ah ben dans ça, ça va vlog journée là, ce que je fais et tout. Mais là j'ai pas, j'ai une petite formation dans une autre ville qui est la mienne, et du coup là je suis en pause. Je suis sortie chez moi à 5h du matin, comme je vous l'ai dit juste au début. Je suis sortie chez moi à 5h du matin, enfin je me suis réveillée à 5h du matin, mais je me suis réveillée en retard parce que je devais prendre mon bus à 5h59. Le temps de m'apprêter, sortir, parce que je suis pas loin de la gare. Déjà, je suis pas loin de la gare. Je suis pas non plus loin de l'arrêt de bus. Et du coup, je me suis réveillée à 5h du matin. J'ai presque pas dormi parce qu'il y a mon fils qui dérangeait. Et je me suis réveillée à 5h. Il y a mon fils qui dérangeait. J'ai dormi à 2h du matin. Je me suis réveillée à 5h. Le temps de m'apprêter et puis sortir. Je suis sortie, il était prêt. Il était 6h. Et je devais prendre mon bus à 5h59. Donc j'ai loupé mon bus. J'ai fait le pied de chez moi jusqu'à la gare. Je suis sortie à 5h. À 6h. Je suis sortie à 6h. Je suis arrivée à la gare à 6h24. Mais je marchais pas vite, vite sondé, ni non. Notamment en cas normal et tout, je suis arrivée à la gare à 6h24 et il y avait mon bus pour l'autre ville, et maintenant qu'elle est 6h25, dans le temps d'arriver, heureusement qu'il y avait des gens devant moi qui payaient leur ticket, et j'ai profité, je suis allée, j'ai payé mon ticket moi aussi, et voilà, je suis arrivée bien très tôt, je suis arrivée la première personne. Parce que la majorité des gens qui viennent dans cette formation
vivent dans cette même ville, mais moi je vis dans une autre ville. Et du coup, il faut sortir tôt parce que après il y a des trains, il y a des bus, tu peux manquer et tout. Vaut mieux être en avance qu'être en retard. Voilà, c'est un peu ça. Je suis sortie et voilà. Et voilà. Et là, je suis en pause. Là, j'ai pause, je réponds à 13h. Et pour le moment, je suis encore là. À l'intérieur, ma lit, il manque les akuna parce que tout ça, un sous-sol, il fait très froid. L'autre fois, quand j'étais venue, Nayakika normal et tout, j'avais grave galéré. Je tremblais. J'ai trembloté, mais je tremblotais parce qu'il faisait très froid en bas. Le truc, c'est dans le sous-sol, en fait. C'est dans le sous-sol et il faisait très froid. J'ai trembloté et tout. Le Lonaïe, bien mini. Et là, on aura ma lille, blague. Et je profite dans le moins moto, moins moi oyo. Ensuite, quand je veux retourner là-bas, ça sera voilà. Et puis c'est fatigant parce que déjà t'as pas dormi et tout, t'es là, t'es assise oyo karabazolo mtazolo bamtazolo ba. Ouais, des fois on te pose des questions, tu réponds, mais c'est pas à tout moment. Et du coup, le quoi, je suis tellement fatiguée, j'ai sommeil, je suis en train de se j'ai somnolé au fait. J'ai somnolé. Aïe aïe aïe. Et je somnolé. J'ai somnolé dans le cours. Ah bah il y a déjà nanimbarakar na pour. Aïe aïe aïe, c'est pas facile tout ça. Nanimbara bah il y a déjà mon nimbi nanimbara pe na ke pe na boy. Nazokiene. Eh. Ah, choisis pas. Italie n'a pété. Nanimbara na nga. Non, je peux mettre là. Voilà. Oh, c'est comme une insomnie. Ah ben, il y a que la nîmes baranara na cour parce que je suis tout le temps fatiguée. Quand je viens ici, je suis fatiguée, j'ai toujours sommeil. Ma heure où on a ma heure où je suis censée dormir chez moi. Je dors. Pourquoi? Parce que la nuit, je ne dors pas assez. Je ne dors pas bien la nuit. Et ils s'en foutent de tout ça. Tu es obligé de venir. Tu ne peux pas refuser. Après, même si tu refuses de venir, ça va te rattraper. Tu vas finir par le faire plus tard. Donc, tant mieux accepter de le faire et ne pas reporter. Ouais. Là, il fait très beau. Il fait grave. Très beau. Attends, non, heure, parce que je dois retourner à 13h. Il n'y a qu'à une fois. Ah, j'ai encore du temps. Non, il n'y a qu'à une fois. Non, il y en a qu'à une fois, Lilo. Et on zoom hein, à 15h. Sinon, tu vois quand après je sais pas comment après chacun a sa façon de réagir. Quand tu fais un truc et tu vois que ça marche, ça motive encore. Moi ça me motive. Surtout ça dans le régime n'angaboy. Bato bavana n'angaboy binga na ma classe na régime. Parce que on a de base na muta munene. Et pas un minene. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tu manges, comment tu manges, il faut vraiment faire attention. Voilà. Et moi, je fais grave attention.
fais grave attention parce que son assami, j'étais où? En plus, moi, ce qui m'étonne est que maman Nanga, quand elle avait mon âge, elle n'avait pas cette taille. Maintenant, je me demande au fait pourquoi Bissot Lélo Tozouya Rabamine et Makassiboué. Parce que maman Nanga a commis petit à Koufi. A quoi vous avez dit que vous avez dit maman vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que. Et puis à mon âge, elle n'avait pas cette taille-là. Mais moi, à cet âge-là, je dois faire attention à mon alimentation, je dois faire attention à ceci, je dois faire attention à cela. Bizarre. Hein? Bizarre. Le monde est trop matata. Oh, mota sala, le monde est aïonza metata. Kita o kata po mokili trop matata kata. O te madene a molingwezi matata e. Souci na kati komi kuluna kata kata e. Oh, mota sala la zangaza yonza metata. Kita o kata po bolingo trop matata kata. Adamu, Adamu pena Eva e. Présence agneau cana et la ma vraie matata. En moto seul et sur vos aïons d'ambetata. Rita, vous arrêtez que la rabat de ça, je n'ai pas de ça, la guito comme encore. Ah non, moi chaud. Kita o kata pour mon kilitro matata kata. C'est bien des fois de venir, de sortir et tout, surtout quand on est maman, dans le sens où ta routine, c'est tout le temps, t'es là, ton fils et tout. Après, c'est pas agaçant, hein. C'est pas agaçant, ça fait plaisir de s'occuper de son fils, mais seulement, des fois, ça fait du bien aussi de sortir comme ça et tout, au bimi et tout. Vous voyez, si tu as des rendez-vous, tu fais des rendez-vous, t'as pas de ramener ta poussette, là. T'as pas ramené la poussette. Des fois on se sent un peu voilà. C'est comme si on était prisonnière et tout. Après on se sentir libre, quoi. Et quand tu rentres à la maison, tu sens que ouais, tu bah stress wana y a moana et tout, parce que des fois je les as ceux qui. C'est pas assez stressant de fois, dans le sens où t'es qu'à la maison et tout, tu sors pas. Enfin, tu sors, tu peux aller faire des courses et tout. Là, pendant que tu travailles pas, t'es à la maison et tout. Donc, tout se passe à la maison. Tu vas dans des rendez-vous, mais la majorité de ton temps, ça se passe à la maison. Et du coup, des fois, ça fait, hein, quand tu sors comme ça, ça fait du bien. Ça change d'air en fait. Ça te change d'air et tout. Ça te fait du bien. Et voilà, quand tu rentres à la maison et tout, pour revivre quoi. Tu rentres à la maison et vivre, mais sinon la grande famille, je suis tellement fatiguée, Nazar vraiment fatiguée et tout. Le sommeil, c'est très important dans la vie à mon tour.
entre l'ali retard, au l'ali retard, au lamouki, au lamouki tôt, déjà c'est énervant, vous avez mis ma nervosité. Je me suis dit que la journée était bonne, mon genre bizarre et tout. Aux années 50, parce que tu es fatigué. Aux années 50 et tout, donc quand tu as le temps, tu as le moyen de te reposer, il faut le faire, c'est très important. C'est vraiment important. C'est grave important. Je suis négligent. Je suis négligent. Moi, pour la pelle, ils sont exacts. Et l'amour qui peut me faire, je donc, c'est tellement compliqué. C'est grave compliqué. Après, tu deviens nerveuse et tout. Maintenant, c'est au moins, c'est comme si il a ralenti. Donc, voilà. À moi, ça fait grave bizarre. Ça vous arrive aussi aux uns à la main, t'as pas envie de manger. Ça m'arrive assez souvent, j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger. Tu sens même pas que ça a une heure du temps ou quoi que ce soit. Ça
personnes se sont voilà. Avant d'aboyer, ils ont préservé le gabatoire. Ce qui est bien avec les compléments, alimentaires, les chéris de beauté, surtout quand tu prends, comment on appelle la façon herbe qui m'a rendu la bossani, on a réduit appétit, voilà. La bossani, encore comment on appelle. C'est trop bien parce que là depuis le matin j'ai rien mangé. Les mêlées comme elle est dans les mêlées m'a ébellé parce que les mêlées m'a dit j'ai le droit, je devais prendre le couteau. J'ai pris le couteau le matin. Ensuite voilà, et là j'ai même pas faim. Tout la zone d'un coup d'un temps, peut-être je vais prendre. Je vais dormir comme ça. Et puis moi, quand je sors, son abîmé, collier et à la rampe et à moi passe. Son abîmé, n'a pas de mon tabanza, l'anza, la pénzate. Mais quand tu es à la maison, tu touches à tout et tout, ça donne. Il y a un bon ensemble, on va en avoir un. Mais son tabou, bimé. Oh là là, mon téléphone est tombé. La journée elle s'achève, hein? Voilà, voilà, parce qu'on a besoin qu'on a qui bien nios sans problème, hein? J'étais tellement fatiguée, j'avais tellement fini. Non, mon ami. Mais là, c'est bon. Na si ces journées, na ma, na kota. Voilà. Je vous aime tellement, tellement la grande famille. Restez branchés, restez connectés sur Sitiawadol, hein. Télévision. Vous allez déçu, t'es quoi? Voilà. Des gros bisous à vous. Bisous, 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 bisous.